Ce matin, chers frères et sœurs, je suis content de pouvoir vous apporter la parole ce matin, de pouvoir m'insérer dans cette belle thématique à saveur estivale et à saveur de beigne. Oui, à saveur de bang. Quand j'ai vu la, la thématique, l'affiche la, la, de la série avec toutes sortes de beigne et j'ai vu le, le mien en bas à droite qui avait déjà une bouchée qui avait été prise, je me suis dit c'est quoi le, le portail Il y a des agents secrets qui savent maintenant que je suis incontrôlable lorsque je vois un beigne et je suis obligé de prendre une bouchée. Et oui, ils ont raison, ils ont bien fait de me donner ce bang là. J'aime les bangs et je veux régler quelque chose en partant là, le meilleur bang de toute l'histoire, c'est le crème Boston. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça Qui qui s'affiche publiquement pour le crème Boston Avec un bon petit café ou un bon petit verre de lait. d'ailleurs, ça rejoint le titre de mon message ce matin. J'ai soif. J'ai soif et trois petits versets vont occuper notre esprit et nos cœurs ce matin. On tourne ensemble en Jean 7, versets 37 à 39. Le dernier jour de la fête, la fête des huttes, des cabanes, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. Car, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. En disant cela, nous dit Jean, il faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Vous serez d'accord avec moi qu'on passe notre vie à boire. La première raison pour laquelle vous avez pleuré en entrant dans ce monde-ci, c'est parce que vous vouliez du lait. Vous aviez soif. Et croyez-moi, on niaise pas avec un enfant qui a soif. Moi, je me rappelle ma petite-fille Mila aux alentours de 8-9 mois, après un biberon le matin, et alors que je rentre dans sa chambre, la première chose qu'elle a dit en se levant, le lait, le lait, le lait. Bonjour ma chérie, je suis ton papa, je suis content de te voir. Bon, arrivé à la garderie, on se raffine un peu, le jus, le jus le plus sucré possible. Au primaire, on goûte aux boissons gazeuses, à la limonade, au thé glacé. À l'adolescence, on veut goûter absolument aux boissons énergétiques, même quand maman dit non. On arrive au cégep, on découvre le café, la bière aussi parfois, et la vie adulte nous apprend, nous fait découvrir la joie d'un bon accord mais et vain. Et il reste de ces personnes mystérieuses, insondables, que je ne comprends pas, qui boivent toujours du thé ou des tisanes. Je comprends pas, mais je respecte. Mais il y a un breuvage qu'on boit tous sans aucune exception. Un breuvage qu'on boit du début à la fin de notre vie, qui est essentiel à la vie de notre corps et à la vie de cette terre, qui est insipide, incolore, inodore, simple et toujours rafraîchissant. On le boit en travaillant, on le boit pendant une pause, on s'en amène un petit verre sur le bord de notre table de nuit au cas où surgirait une soif nocturne. Et même à ça, notre médecin nous dit qu'on n'en boit pas assez. Certains en manquent, d'autres en consomment trop, certains n'ont qu'à ouvrir le robinet, d'autres n'y ont pas accès. Ce liquide permet à la la végétation poussée, aux poissons de nager, à notre corps de filtrer, aux bateaux de naviguer, à produire de l'électricité. On l'utilise pour se laver, pour faire cuire et comble de tout, même pour flocher. Ce liquide n'est pas juste utile, il est aussi agréable. On fait des kilomètres de route pour aller se baigner dedans et prendre quelques-unes de ces vagues sur la côte Est américaine ou quelque part ailleurs dans le monde. Une molécule assez simple, un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène et j'ai nommé deux. L'eau, vous l'aviez deviné, vous n'étiez pas loin? L'eau est tout simplement partout. Hein? De l'étang de votre parc préféré jusqu'au lac de la ville d'à côté, du fleuve Saint-Laurent, la rivière des Outaouais, la rivière des Prairies, pas loin ici, de la pluie qui annonce cette semaine, dans la flaque que vos enfants aiment sauter à chaque fois qu'il pleut, l'eau est absolument partout. Tellement partout qu'elle s'est retrouvée dans une chanson populaire que vous connaissez peut-être de Jacques Michel. Et là, vous allez chanter avec moi. N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière. Viens, viens. <laughs> Vous comprenez maintenant pourquoi l'équipe de Louange refuse que je passe une audition pour embarquer dans l'équipe. <laughs> Cette chanson de Jacques Michel nous rappelle qu'il y a certaines soifs que l'eau même ne peut pas étancher. Il n'y a pas de doute que l'eau est essentielle lors d'une randonnée en montagne pour étancher la soif physique. Mais il existe, je crois, des soifs existentielles. Des, des, des soifs que, que ni l'argent, ni les biens, ni le plaisir, ni la gloire ne peuvent étancher. Des soifs spirituels. Déjà, cette, ch cette chanson de Jacques Michel parle d'une soif de lumière que nous avons tous. Et n'est-ce pas qu'on a toute cette soif-là de voir un peu plus clair dans l'obscurité, dans le chaos de ce monde-ci? On aura comme besoin d'être dirigé par une lumière. On a tous soif de paix, de justice, des choses qui ne sont pas tangibles. Les, gens, les enjeux de l'heure nous le prouvent lutter contre le racisme, les dis discriminations, les inégalités, favoriser l'inclusion, c'est à la mode, avoir, avoir envie d'avoir un, un monde un peu plus humain, un peu plus altruiste soif d'une identité profonde. Je suis qui, moi, au fond? Je fais quoi ici? Je m'en vais où, cher à quoi? C'est quoi mon but en tant qu'être humain? Soif de sens, et je le vois beaucoup avec les jeunes, trop de temps pour exister, mais pas assez de raisons de le faire. Trop de bonté à la minute qui leur parvienne, mais personne à qui remercier. Trop d'amour à donner, mais personne à qui l'offrir. Soif de vérité, la pandémie nous l'a prouvé, on a horreur des fake news, on veut du vrai, on veut du concret. Il y a quelques mois de ça, un ami de secondaire m'appelle. Ça faisait des années que j'avais pas parlé, et il commence à me dire que sa, sa petite fille est, est décédée après deux heures de vie. Et Il me pose la question, et c'était sa question, sa seule et unique question brûlante. Sam, elle est où Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, là, il n'était pas dans le narratif relativiste. Chacun a sa vérité, tout est vrai pour tout le monde. Il voulait avoir une vérité implacable. Où est ma fille Pourquoi je l'ai perdue Soif de rédemption. On sent que nos vies sont un peu fracassées. On aurait besoin de quelqu'un, quelque chose qui nous pardonne, qui recolle les morceaux fracassés de notre existence. Soif de beauté et soif d'amour. Hein? À quand les hommes vivront d'amour demande Raymond Lévesque. À l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a ce petit cœur qui crie Est-ce que vous pouvez m'aimer, s'il vous plaît, pour qui je suis J'aime comment Mère Teresa a parlé de l'Occident et en a fait un lien avec l'amour. Elle a dit les gens ici ont soif d'amour, d'un amour qui est la seule réponse à la solitude et à la grande pauvreté. C'est pourquoi nous, parlant des chrétiens ici, sommes capables de nous rendre dans des pays comme l'Angleterre, les États-Unis, l'Australie, le Canada où les gens ne sont pas nécessairement affamés de pain, mais ils souffrent d'une solitude terrible d'un désespoir terrible, d'une haine terrible. Ils se sentent indésirables, ils se sentent impuissants, ils se sentent désespérés. Ils ne savent plus sourire. Ils ont oublié la beauté d'une caresse humaine. Ils sont en train d'oublier ce qu'est l'amour humain. Et la liste de ces soifs intangibles existentiels et les quasiment éternels. Je pourrais continuer longtemps, hein? soif d'équilibre, soif de vivre à fond, soif de faire la différence, soif de vraiment changer les choses, soif d'une spiritualité qui remplit, qui est viable, qui est logique, qui est cohérente, soif que notre vie ait un sens qui dépasse les tragédies de la maladie, de la mort. Ce sont tous des soifs que la modernité n'a pas su éteindre, n'a pas su étouffer et n'a pas su satisfaire. Et c'est pour ça qu'on se rend encore dans les salles de cinéma, voir des super-héros jusqu'à la dernière minute lutter, un, un, donner un combat contre le mal. Et, et on a l'impression qu'ils qu vont mourir à la fin du scénario et finalement reviennent à la vie. Et, combattent le méchant. Et ces scénarios-là viennent nous empoigner parce qu'elles viennent susciter en nous des vieilles soifs, elles viennent réveiller en nous des vieilles soifs, que l'amour est plus fort que la haine, que la vie est plus forte et plus forte que la mort. Et ces soifs-là existentielles nous torturent, et même, je dirais, torturent le monde entier. Parce que pendant un certain temps, je pensais que c'était juste nous, les petits Québécois, le peuple victime, euh, qui n'a pas été maître de son histoire. Je pensais que c'était nous là, qui avait un peu de la misère avec notre identité, puis on cherche, puis on a toutes sortes de soif. Mais vous savez quoi? après cinq ans de ça, j'ai fait un voyage. à de 30 heures en avion, je me suis rendu à l'autre bout du monde en Australie avec ma femme, un voyage de fin d'études. J'ai passé six semaines là-bas avec un pack sac, un peu comme un, un, un vagabond de, de place en place, à découvrir le pays et surtout à faire, à faire des relations, à faire du PR avec les gens. Et je me suis rendu compte qu'ils étaient pareils comme nous. J'ai fait le constat qu'ils avaient exactement les mêmes soifs que nous. Et même c'est encore pire parce que l'Australie c'est un, un pays paradisiaque au niveau de la végétation, même au, au niveau de la restauration, au niveau des, des plaisirs, des beautés. Honnêtement, ils, ils ont à peu près tout pour être heureux. Mais je me retrouvais le soir dans ces conversations-là autour de la table avec les jeunes qui étaient là, qui étaient venus d'un peu partout en Australie, puis ils me défilaient leur vie. Ils, ils pouvaient quasiment me dire moi, Sam, j'étais à la recherche, j'étais à, à la quête de l'être aimé, j'étais à la quête du bonheur, j'étais à la quête de, de avoir une identité, il y avait ces soifs qui les torturaient, même s'il y avait tout extérieurement, intérieurement, ils étaient assoiffés. Et je ne connais pas de meilleure illustration de la soif humaine que le reproche que Dieu a fait au peuple d'Israël par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Voici ce qu'il leur a dit. Il leur fait un reproche un peu comme devant un tribunal. Il leur dit Mon peuple avait l'honneur de m'avoir comme Dieu, mais il m'a échangé contre des choses qui servent à rien. Et littéralement ici, contre des nullités. Que les cieux en soient stupéfaits, paralysés d'horreur, déclare le Seigneur. Mon peuple a commis une double faute. Il m'a abandonné moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes fissurées, incapables de retenir l'eau. Dieu adresse ici un, un reproche à la tribu de Juda particulièrement et leur dit, voyez, je vous ai fait sortir d'Égypte, j'ai été bon avec vous, je vous ai donné la loi, je vous ai donné des bons leaders, je vous ai donné un, un pays promis, fertile, prospère. Honnêtement, vous aviez tout, puis vous m'avez mis à la porte et vous avez commencé à servir d'autres dieux. Servir d'autres dieux qui ne, en fait ne sont pas des dieux. Vous vous êtes fait votre propre petit panthéon et vous m'avez littéralement mis à la porte. Vous avez claqué la porte de la maison de Dieu. Et Dieu leur dit, ⁇ Mais devant mon tribunal, vous êtes accusés de deux fautes. Non seulement vous m'avez abandonné, mais vous avez pensé être capable de vous en sortir par vous-même. Voici la, la réalité d'Israël, mais qui représente aussi la réalité de l'humanité entière. Sans Dieu, on meurt de soif. Israël représente ici, à petite échelle, l'humanité entière, qui... A rejeté son Créateur, source de vie physique, mais source de vie aussi pour l'âme, et qui dit comme, comme un petit enfant dit à ses parents je veux, je veux et je peux me débrouiller tout seul, pas besoin de toi. On est passé de l'eau fraîche qui coule des montagnes à, à de l'eau ben trop chlorée qui sort du robinet. Dieu devait être notre source d'eau vive, mais on a préféré nos réservoirs troués. Ça me rappelle une, une illustration. Euh, avec mon frère et ma famille, on se promenait il y a quelques années et on était beaucoup plus jeunes, peut-être 10, 12 ans. Et on, à un moment donné, on avait tellement soif que mon frère disait à ma mère J'en peux plus, il faut que je bois de l'eau. Et là, alors qu'on est sur la rue, on, on voit, je pense que c'était une belle province, on rentre vite, vite, on ne prend même pas le temps de s'asseoir. Et là, je vois mon frère qui prend une bouteille blanche qui est sur la table et il se met à boire ça. Bah! C'était du vinaigre. Vraiment dégueulasse. Il s'est mis à cracher immédiatement. Mais quelle belle illustration de la soif humaine! On est tellement assoiffé de vie, assoiffé de, de, de bon, de justice, assoiffé de Dieu, mais on, on tasse Dieu puis on, on dit Donnez-moi n'importe quel vinaigre de ce monde, même si c'est amer, je vais le prendre. On se creuse nos propres petites citernes pensant qu'on peut s'en sortir, pensant qu'on peut avoir une autonomie, une joie, une vie sans Dieu. Et ça représente bien notre société hein, qui, qui dit haut et fort. Je veux le bien et le fruit du christianisme dans l'histoire, mais je veux pas le Dieu du christianisme. Je suis prête à aller apprendre les valeurs de Christ, mais parle-moi pas de Christ, l'homme qui était Dieu. Je veux, je veux le monde de Dieu, mais je refuse sa présence, sa personne dans ma vie. On pense qu'on peut s'auto-déterminer, s'auto-affranchir, s'auto-identifier, et même je dirais, on pense qu'on peut s'auto-aimer et que ça va être suffisant. Mais la réalité, c'est qu'on est toujours en train de, de consommer, toujours en train de courir à droite et à gauche après plein de, de petits dieux qui, au fond, ne nous remplissent pas. Vous avez déjà vu le film Le, le Pirate des Caraïbes, sûrement. Hein? Il y a cette malédiction qui euh, tyrannise et qui, euh, qui, 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 est, qui est collée à la peau de l'équipage du capitaine Barbossa. Et leur malédiction, c'est littéralement... Qu'ils ne peuvent jamais être remplis, jamais rassasiés. Et il y a cette fameuse scène où tu as deux équipiers du capitaine Barbossa qui boivent une boisson forte et on voit juste le liquide couler dans ses entrailles. Je pense que ça représente la soif de l'être humain qui, sans Dieu, est toujours là à courir à droite, à gauche, mais expérimente cette malédiction du péché. Le fait de ne, de ne jamais pouvoir se sentir plein, se sentir en vie, mais vraiment rempli, comblé et rassasié. Le prophète âgé en a bien parlé aussi. Il dit au peuple vous, vous semez beaucoup, mais vous recueillez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Autrement dit, vous gagnez bien votre vie, mais, mais votre portefeuille est troué. N'est-ce pas que ça nous représente parfois Et, et moi, le premier, là. tu peux bû bûcher courir à droite à gauche. Projet, carrière, opportunité, popularité, notoriété, plaisir, gloire, argent. Mais il semblerait que le, le petit high finit toujours par finir. Il semblerait que c'est pas suffisant pour nous donner une identité profonde. La souffrance revient par la porte d'en arrière, la maladie interrompt la fête et la mort finit par cogner à notre porte. Même nos efforts les plus les plus explosifs, les plus persévérants, même nos meilleurs efforts qu'on peut produire finissent dans la tombe. Nos ressources sont insuffisantes. Et il y a même peut-être quelque chose de pathétique dans le fait de penser que ce sont ces choses de ce monde qui peuvent nous combler. Il y a quelque chose de, de maladif dans notre course à vouloir se déterminer sans Dieu. La réalité, c'est que depuis que nos parents ont été mis à la porte du jardin d'Éden, ce fameux jardin paradisiaque, parce que Dieu était parfaitement présent et sa bonté était à l'œuvre, depuis que nos parents ont été mis à la porte de ce jardin où coulaient quatre fleuves d'eau vive, hein, vous vous rappelez, l'être humain est en cavale et il est toujours assoiffé. On a été créé pour être rassasié par un moulin, un, un moulin qui fonctionne avec l'eau divine, mais nous on essaie de mettre toutes sortes d'autres choses là-dedans. Et ça marche pas. On cherche à se convaincre qu'on est heureux ces bords, que le, projet, le prochain projet va être le bon, mais la réalité nous rattrape assez vite et on finit par se sentir seul, se sentir indésirable. On est en exil, nous autres aussi, devant Dieu. On le fuit. Et les paroles d'Ésaïe qui étaient à l'endroit d'Israël s'appliquent aussi à nous. Mon peuple est exilé parce qu'il n'a pas de connaissance. Sa gloire, ce sont des gens affamés et sa multitude est desséchée par la soif. Sa gloire, ce sont des gens affamés. Il me semble que ça représente un peu notre société. Même les bien-pensants, même les, les érudits, même les guides de notre société, les influenceurs, les vedettes de l'heure, elles aussi semblent être affamées et desséchées par la soif. Et si mon message terminait ici, ce serait vraiment pas une bonne nouvelle. Hein? Ce serait euh, ce serait vraiment catastrophique. Ce serait fatal de terminer ici. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que Dieu ne nous laisse pas Mourir de soif. Parce qu'en fait, je viens de décrire ce qui ressemblait à ma vie, à moi. Chercher un sens, chercher à être quelqu'un sans Dieu, ça a été toutes mes années d'adolescence. Et j'avais soif, j'avais soif, j'avais soif de vie, soif d'amour, soif de justice, mais je manquais la cible. Je courais à droite, à gauche, pensant que je pouvais m'en sortir sans Dieu. Mais dans sa grâce, Dieu a envoyé plusieurs prophètes, dont Ésaïe, mais pas juste Ésaïe, prophète Jérémie, et on va voir Joël aussi, et Zacharie, Ézéchiel. Et Dieu, dans sa, dans sa grâce et dans sa bonté, dans sa grande miséricorde, continue d'affirmer à Israël, « Je ne te laisserai pas mourir de soif. » Malgré toute l'idolâtrie, le refus d'Israël d'aller à la source d'eau vive, Dieu est toujours prêt à les accueillir à nouveau. « Revenez à moi, vous allez boire. En Ésaïe 12, à travers le prophète Ésaïe, euh, Dieu annonce un jour où est-ce qu'on pourra avoir des refills à volonté. Ah, j'aimais ça quand j'étais jeune. Moi, c'était la question quand je j'entrais dans un restaurant est-ce que les refills sont gratuits Je euh, euh, peux-tu faire des refills comme éternellement dans votre restaurant Et s'il si disait oui, mais là, je m'assoyais pour manger. Mais Ésaïe prophétise un retour d'exil, mais on sent qu'il y a plus qu'un retour d'exil derrière ça il y, a, il y a un salut qui va atteindre toute la terre, toutes les nations. En ce jour-là, Seigneur, je veux te louer. Tu étais en colère contre moi, mais tu ne m'en veux plus. Tu m'as réconforté. Voici le Dieu qui m'a sauvé. Je me sens en sécurité. Je n'ai plus peur. Car ma force et mon champ, c'est le Seigneur. Il est mon sauveur. Avec joie, vous puiserez aux sources du salut. » Isaïe annonce un jour pour Israël, mais par la bande, un jour pour l'humanité entière, pour les nations entières, où est-ce que le salut de Dieu va être abondant. Et faut, faut, faut se rappeler que dans le Proche-Orient ancien, l'eau était un signe salutaire. En fait, elle était une marque de, de vie. Il n'y avait pas accès à l'eau comme nous, on a accès à l'eau aujourd'hui. Il devait faire des kilomètres de route. Il, il devait faire un effort assez substantiel pour pouvoir avoir de l'eau et trouver une source d'eau et y avoir accès et pouvoir prendre cette eau-là. C'était un signe de salut, un signe de délivrance. Et Dieu annonce à son peuple et leur promet un jour, vous irez avec joie, puiser aux sources du salut. Ce sera plus pénible. L'eau était un symbole de vie pour les récoltes, un symbole de vie pour boire. C'était un signe de revitalisation, de régénération, la nouveauté, l'étanchement de la soif intérieure, et même que l'eau était un signe de purification des péchés. Et Dieu promet un jour où est-ce que ça va couler à flot à travers le prophète Ésaïe. Même un peu plus tard dans le, dans le livre, il dit ça va être gratuit. Vous allez pouvoir aller prendre cette eau sans argent. Et vous allez pouvoir vous la procurer. Ça va être une eau qui est gratuite. Le rêve de toute personne, hein, de, de rentrer chez Starbucks, chez Tim Hortons et pouvoir se servir gratuitement tous les breuvages. D'aller chez Super C et manger, sans avoir, de passer la ligne des, des caisses sans avoir à débourser, sans avoir à taper la carte. Et cette promesse va même s'amplifier alors qu'on avance dans le livre d'Ésaïe. En Isaïe 41-18, il nous est dit, Je ferai jaillir des fleuves sur les collines, des sources au milieu des vallées, je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. C'est sec, c'est mort, dit Dieu à Israël, mais je vous promets qu'il y, y a un ruisseau qui va dévaler et qui va remettre la vie un peu partout. Inquiétez-vous pas, je vous laisserai pas crever de soif. Trois chapitres plus loin. Isaïe continue. Dieu, à travers la bouche d'Isaïe, continue. J'arroserai le pays qui meurt de soif. Je ferai couler des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur tes descendants. Ici, il y a une connexion intéressante entre le Saint-Esprit et l'eau. Comme pour dire que le déversement de cette eau est, 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 est dans le fond, une image du déversement du Saint-Esprit. Un, un peu comme une pluie qui nous rafraîchit, eh bien, Dieu annonce qu'il va avoir une pluie de son esprit. Les gens vont pouvoir recevoir. Son esprit, et il va y avoir une revitalisa revitalisation intérieure qui va prendre place. Et c'est pas seulement le prophète Ésaïe qui parle de cette, euh, c -c cet étanchement de la soif, de cette eau divine qui va venir. Dieu, à travers Joël, annonce une nouvelle prospérité à venir pour le peuple de Dieu. Voici ce qui nous dit en Joël 4, 18 Alors, en ce jour-là, le vin nouveau coulera des montagnes et les coteaux ruisselleront. De lait dans tous les torrents de Juda, l'eau coulera et du temple de l'Éternel jaillira une source. Du temple, cet endroit où la présence de Dieu était manifeste, sa présence de Dieu était particulière. Je vois l'annonce de ce, cette présence de Dieu-là va faire son effet à un point tel qu'il va y avoir de l'eau de vie, l'eau vive qui va sortir du temple. Et ça rappelle, ça nous fait peut-être penser à l'image d'Ézéchiel. Vers la fin de son livre, il est prophétisait à peu près la même chose, qu'un qu grand torrent allait sortir du temple, et ce torrent-là, partout où il allait passer, il allait faire revivre, que les, les, les animaux allaient se mettre à grouiller, que la, la, la végétation allait se mettre à, à redevenir verte, riche et abondante. C'est le signe d'un foisonnement, d'une fertilité. Zacharie, le prophète Zacharie, va aller dans la même veine aussi en annonçant un jour où ce que l'eau purificatrice de Dieu Aurait un effet salvateur sur le peuple. En ces temps-là, dit Dieu, une source jaillira pour laver les péchés et les impuretés des descendants de David et des habitants de Jérusalem. Une eau purificatrice annoncée par Isaïe. Imaginez ça, une eau qui nettoie pas juste le corps, mais qui nettoie aussi le cœur. Toutes ces promesses-là étaient les attentes des Juifs du premier siècle. Et j'ai pris le temps de vous les lire parce que les, les juifs à l'époque de Jésus, c'était des êtres humains comme vous et moi, comme, comme les Australiens, comme j'ai parlé tantôt, c'était des, des êtres humains avec ces mêmes soifs qui nous torturent et qui nous habitent, soif de salut, soif de vie, soif de vérité, soif d'éternité. Ces juifs-là du premier siècle avaient toutes ces soifs-là et ils avaient aussi ces promesses-là. Il nous est dit qu'à la fête des cabanes, la, la fête des huttes... Euh, pendant huit jours, le peuple partait en procession, les Juifs partaient du temple en procession jusqu'au réservoir de Siloé et ils chantaient, ils, ils récitaient, excusez-moi, ces textes-là avec l'attente qu'un jour Dieu allait intervenir. Son, son pardon, sa vie, son amour seraient déversés gratuitement sur le peuple. Et il faisait chaque année. Ils partait chaque année lors de cette fête-là, c'était un huit jours qui était assigné, et à chaque jour, le peuple partait avec une cruche d'eau au réservoir de Siloé. Il nous a dit qu'il ramassait de l'eau au réservoir de Siloé, revenait au temple, et comme un symbole de cette eau là qui un jour allait venir, il déversait ça dans le temple. Et là, je peux imaginer les enfants, toutes les familles qui étaient là, bien, là, ils voyaient cette eau là déversée. Et wow, il y avait quelque chose de choquant en plein milieu du temple. Et nous, les historiens nous disent que... Pendant sept jours, c'était la même quantité d'eau qui était déversée, mais que le huitième jour, le peuple, encore une fois, se retournait au, au réservoir de Siloé, ramassait une quantité d'eau plus abondante le huitième jour. Et, et là, tu voyais l'eau surgir dans le temple, couler un peu partout, mais encore plus abondante que les jours précédents. Et voilà 2000 ans, un jeune juif nazaréen, Commençait à être un rabbi un peu connu à l'époque pour son autorité, pour ce qu'il faisait de bon dans les villages, était présent lors de cette fête. Et il a fait sa place un peu parmi tout le monde. Et alors que les réservoirs, les, le huitième jour est arrivé et les, les, grands, les grandes cruches étaient coulées dans le temple, il a tassé un peu le monde et il s'est écrié Hey, que celui qui a soif, vienne à moi et que celui qui croit en moi boive car comme le disent les écritures que vous citez des fleuves d'eau vive jailliront de lui parlant de lui-même jésus débarque à cette fête-là et il dit les boys c'est bar open. Je suis l'eau que vous attendiez. Je suis le salut de Dieu. Je suis celui qui vient étancher vos soifs intérieurs. Je suis celui qui vous offre la belle, grosse vie que vous cherchez. Je suis le salut de Dieu. Je suis Dieu en personne. Jésus euh, s'identifie comme étant le temple, en disant ça. Jésus s'identifie comme étant celui de qui l'eau va déverser l'eau purificatrice, l'eau abondante, l'eau vive qui vient revitaliser l'être int intérieur, qui vient régénérer l'être intérieur. Ces gens-là avaient soif et Jésus, cette belle journée, leur a annoncé qu'il était celui qui désaltère notre âme. Jésus s'attribue... Toutes les prophéties d'Ézéchiel en disant ça, d'Ésaïe, de Zacharie, comme quoi l'eau coulerait du temple. Non seulement il s'identifie, il, il se les approprie, mais il les accomplit. Que celui qui a, qui a soif vienne vers moi. Il est en train de dire Je suis le vrai temple d'où coulera l'eau jusque dans la vie éternelle. Je suis la demeure de Dieu sur deux pattes qui peut vous désaltérer, vous hydrater, comme rien ni personne peut le faire dans ce monde. Et quel est concrètement peut-être vous demandez, quel est concrètement quel est exactement cet eau là ça mon mais eh dans... merci à, à l'évangéliste Jean qui nous fait une petite note éditoriale et qui dit en disant ça il faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui ce don de l'eau vive n'est rien d'autre qu'au fond que, que le don du Saint Esprit et n'est rien d'autre au fond que le don du salut que le pardon des péchés le déversement de l'eau était une métaphore pour illustrer la manière dont Dieu allait déverser gratuitement son esprit sur tous ses enfants, tous ceux qui recevraient son Messie. Dieu ne nous demande pas de porter un linge spécial, une marque spéciale quelque part sur le corps, d'avoir un item particulier sur nous, parce que Dieu vient habiter par son esprit en quiconque se repent de ses péchés et croit en lui. Il vient nous donner de, de nouveaux désirs, euh, un, un être intérieur qui est renouvelé, euh, renouveler nos pensées, transformer notre personne, transformer notre, notre cœur de pierre en cœur de chair. Jean Baptiste, le cousin de Jésus, avant de passer, avant que Jésus débarque sur la scène, Jean Baptiste était là et lui il disait, il disait à, en baptisant. Moi, je peux vous baptiser d'eau sans problème. Ça, ça, ça me va. Je, je vous baptise d'un baptême de, de repentance, de, de U-turn avec vos vies, mais, mais je, il y a quelque chose que je ne peux, peux pas faire. Je, je, vous la, je vous le dis officiellement, il y a quelque chose que je peux pas faire. Il y en a un qui va venir après moi et c'est lui qui va pouvoir vous baptiser dans l'esprit, vous immerger dans l'esprit de Dieu et faire de vous ses enfants. Jésus est celui qui peut nous déverser cette eau abondante. Celui qui a changé l'eau en vin, celui qui a marché sur les eaux, celui qui a fait tomber la pluie du ciel et qui est capable de l'arrêter en disant un seul mot est le même qui peut arroser ta vie, arroser nos vies de son esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul va pouvoir dire plus tard en hein, 1 Corinthiens 12, « Et nous tous, Juifs et non-Juifs, Québécois, peu importe, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés, parlant des chrétiens, pour former un seul corps par le même Esprit-Saint et nous avons tous eu, à boire à ce seul esprit. Jésus est le seul qui peut étancher nos soifs profondes. Lorsqu'il est arrivé avec cette, cette femme samaritaine, il a dit Si tu m'avais demandé de l'eau, je te l'aurais donné. Je t'aurais donné une eau vive. Je t'aurais donné une eau de salut. Cette femme-là qui était insatisfaite, la preuve, ça faisait cinq maris qu'elle avait. Elle s'était dans les bras de cinq hommes. là, elle était avec son sixième homme. Homme, on ne sait même pas si c'est son mari encore. Littéralement, une femme insatisfaite qui court après quelque chose qui va la faire vivre et revivre, mais qui trouve pas et qui est obligée de changer de mari, probablement même changer de village, qui, qui arrive dans la honte couverte à, à, au soleil tapant à midi pour venir chercher de l'eau. Elle cherchait quelque chose pour combler sa vie. Et Jésus lui dit Moi, je suis celui qui peut arroser ta vie de mon eau. Je suis celui qui, qui peut te donner une eau qui va te faire en sorte que tu n'auras jamais soif. Tu peux devenir, au fond, Jésus lui dit, tu peux devenir satisfaite aujourd'hui si tu places ta confiance et ton espoir en moi. Récemment, j'ai eu une conversation, une très belle conversation, avec un beau jeune homme. Euh, avec une, un, il y avait une conjointe, trois enfants, très prospère, un chef d'entreprise, en bas de la quarantaine, paraît bien physiquement, belle maison. Ce jeune homme-là a tout pour lui, avait tout pour lui. J'ai passé une heure au téléphone avec lui parce que, bon à travers euh, une connaissance, il, il m'a contacté, puis euh, les capsules, ça me parle aussi dans tout ça. J'ai passé une heure, une heure et demie à parler avec lui et c'était exactement la nature de son propos. Sam, j'ai trois enfants, mais. Je sens qu'il y a quelque chose de mieux, de plus que je peux leur donner. Je suis insatisfait de tout ce que ce monde peut m'offrir. Il faut qu'il y ait plus, il faut qu'il y ait une réjouissance éternelle. Il faut qu'il y ait quelque chose qui dépasse la, la tragédie de cette terre qui, qui semble tellement être futile. Il, il, il doit y avoir de quoi. J'ai pu annoncer l'Évangile à ce jeune homme-là, réannoncer encore à plusieurs reprises. Et voilà une semaine, j'ai marié ce jeune homme-là avec sa femme. Et... Publiquement, ils s'affichent pour Jésus. Ils ont découvert en Jésus quelqu'un qui pouvait les satisfaire. Il avait goûté à tout, il y avait littéralement tout, mais il manquait comme le centre qui allait vraiment faire du sens avec tout le reste. Encore aujourd'hui, Jésus peut étancher nos soifs intérieures. Jésus peut désaltérer nos âmes, inonder ta vie, immerger ton cœur de joie, de paix et d'amour. Je t'en prie, passe pas ta vie à être celui qui, qui tente de retenir les petites, les petites gouttes d'eau, les petites gouttes de, de, de plaisir, de, de pouvoir, de contrôle, de puissance, d'indépendance de Dieu dans ses mains comme ça, puis qui, qui essaie de retenir l'eau comme ça. Non, sois celui qui se pitch dans l'océan d'amour qu'est Jésus, qui, qui, qui se lance à bras ouverts dans cet océan de vie qu'est Jésus. Christ n'est pas, pas venu pour nous servir juste un, un petit verre rafraîchissant. Il est venu pour nous plonger dans un océan de vie et de pardon. Et comment Jésus peut faire ça? Pourquoi Jésus peut dire ça devant tous ces Juifs-là, même si c'est cette élite religieuse? Pourquoi Jésus peut dire que celui qui a soif vienne à moi et que celui qui, a, qui que celui qui, 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 qui croit en moi boive de cette eau? Pourquoi Jésus peut dire ça? Parce qu'il connaît la fin de l'histoire. Il sait comment son histoire va se terminer sur cette croix, injustement amenée comme un coupable, comme un criminel, alors qu'il n'avait pas tué une mouche, alors qu'il était sans péché, alors que lui n'avait jamais été boire ailleurs comme tout le reste des autres êtres humains et qu'il avait simplement resté connecté à la source d'eau vive qui est son Père, qui est, qui est Dieu. Il s'est retrouvé sur cette croix, injustement, le seul innocent parmi tous les coupables autour de lui et une des, des, des petites... Phrase que prononcée sur cette croix était J'ai soif. Jésus a eu soif, le Fils de Dieu a eu soif. Dieu qui a créé la molécule H2O, le seul roi à qui on aurait dû offrir en abondance à boire les meilleurs breuvages de cette terre, a eu soif pour que tous ceux qui vont se confier en lui soient désaltérés et que leur soif soit étanchée éternellement. Jésus est mort pour qu'on puisse vivre. Jésus a accepté la punition du péché sur ses épaules afin qu'on puisse être pardonné devant Dieu. Jésus a eu soif pour toi et moi. Mais encore aujourd'hui, Jésus nous lance cette même invitation à venir boire à sa source. Jésus, sur cette croix, devient celui qui a soif. Sous la malédiction de l'Alliance de Dieu, de sorte qu'à ceux qui ont soif, ils puissent transmettre l'esprit qui désaltère et leur dire Tout est accompli. Tout est accompli. En Apocalypse, il nous est dit que Dieu lance, Jésus lance une invitation à tous ceux qui, qui veulent venir à lui en disant Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Encore aujourd'hui, nous, Jésus nous lance cette, cette même invitation. Viens boire à ma source. Une source qui désaltère, une source qui comble, une source qui offre une force tranquille, une source qui, qui régénère les pensées, qui régénère le cœur, qui régénère l'esprit. Viens, bois et crois. Et tu vas voir, tu as soif de lumière, parfait. Dans ta lumière, nous voyons la lumière. Dans la parole de Dieu, on, on a vraiment une lampe sur notre sentier. Soif de paix à lui nous devrons notre paix, Michée 5,4. Soif de justice le chrétien vit dans la justice de Dieu et offre cette justice là au monde autour de lui. Soif d'amour le chrétien base sa vie sur l'amour de Dieu et parce qu'il se sait aimé de Dieu il offre l'amour à son prochain. Soif de sens le grand narratif nous ouvre les yeux renouvelle la vision du monde qu'on a soif d'une identité profonde, Dieu vient habiter intérieurement en celui qui reçoit son fils. Il n'y a pas plus grande identité que ça. Et encore aujourd'hui, si tu me demandes, toi Sam, t'es qui? Moi, je peux te dire que je, je suis papa, je peux te dire que je, je suis marié depuis 8 ans, je peux te dire que je, 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 je suis missionnaire moderne, sur ce que ça me parle. Mais honnêtement, si tu veux savoir la chose qui définit le plus mon existence, je suis enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ. Ça, c'est une identité profonde à tout casser, que rien ni personne ne peut enlever. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Soif de vérité, sa parole est la vérité. Soif de beauté, le monde que tu vois autour de toi sera un jour restauré et tout ce qui est beau sera exponentialisé éternellement. Soif de vie, Jésus est ressuscité et il peut te traîner avec lui. Soif d'équilibre, Jésus restaure ta vie et peut t'amener à vivre en obéissance avec les principes de celui qui a créé ce monde-ci, qui est un monde équilibré. Soif de rédemption, Jésus te regarde dans les yeux et te dit, « Va, tes péchés sont pardonnés. » Rien ni personne dans ce monde ne peut dire ça. Mais Jésus, parce qu'il a payé le prix, peut te regarder et te dire, « Va, tes péchés sont pardonnés. » Mon invitation, que tu sois jeune chrétien, nouveau croyant, curieux ou... Peu importe ton état ce matin, viens boire à la source que Jésus. Comme quelqu'un qui, qui est désespéré de son état, de son âme, Viens boire à la source que Jésus. Et peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui vous dites ah, je, ça me, je, oui je suis croyant, mais j'ai l'impression que certaines causes de ma vie ou ce que c'est sec, c'est assez aride. Eh bien, met le doigt dessus ce matin. C'est quoi ces aspects de ta vie que tu peux dire, c'est sec, là? Il manque d'eau, il manque de vie. Parce que parfois, on, on garde certaines petites cases cachées, puis on dit, ah non, non, ça, c'est des cases qui m'appartiennent. Je, je me suis creusé moi-même des citernes je me suis creusé des puits. Mais ils finissent par couler, ces puits-là. Quels sont les aspects de ta vie que tu refuses l'eau abondante, l'eau de vie? Mets le doigt dessus et avec confiance, dis au Seigneur, Seigneur, viens m'abreuver. Viens me désaltérer, viens m'hydrater dans chacune des, chacun des aspects de ma vie. Comme une biche tourne la tête vers le courant d'eau, je me tourne vers toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, j'ai soif du Dieu vivant, dit le psalmiste. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Merci, Seigneur, pour l'eau qui désaltère. Merci pour ton Fils qui est cette eau qui vient étancher toutes nos soifs existentielles, toutes nos soifs spirituelles. Seigneur, tu, tu es la réponse à nos vies. Tu es la réponse à notre existence. Merci, Père, pour ta bonté, ta miséricorde, ta grande patience. Merci d'avoir envoyé ton Fils sur cette terre afin qu'on puisse être éternellement rassasiés, remplis, complets. Qu'on puisse avoir, Seigneur, ce sentiment palpable à l'intérieur de nous. Que nous avons découvert cette source en t'ayant découvert, toi, cette source abondante, cette source qui ne tarit jamais. Seigneur, fais jaillir dans chacune de nos vies ces courants d'eau-là, dans chacun des aspects de notre vie, fais jaillir ces courants d'eau-là qui viennent et qui remettent la, qui remettent la vie partout où ils passent, Seigneur. Viens, Seigneur, revitaliser, régénérer notre être intérieur. Sois glorifié, Seigneur, pour l'œuvre que toi seul tu peux faire par ton Saint-Esprit. On te demande de venir la faire en, en chaque personne qui écoute et reçoit ce matin, ce message. Amen.